pour saluer l'entrée de sa grandeur Dominique Koundé, pour le fondateur de l'église Lille Oba, chef spirituel et représentant ministre universel pour la paix. Restons debout pour l'exécution de l'hymne national. Merci, je vous prie de bien vouloir vous rasseoir. Merci beaucoup. Thank you so much. Avant toute chose, before we start everything, le protocole invite Cheikh Abdallah Mangala, représentant légal de la communauté islamique au Congo et représentant du comité exécutif du CNRP-RDC, de bien vouloir nous guider dans la prière. S'il vous plaît, on peut se mettre debout. We can stand up. Prions au nom de Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Louange à Dieu, Maître des mondes, les miséricordieux, les très miséricordieux. C'est toi que nous adorons. De toi, nous implorons secours. Guide-nous dans les droits chemins. Seigneur, nous t'implorons en cet instant, en accueillant d'abord tout celui qui tu as donné le souffle et le courage d'arriver dans ces installations où nous allons parler de la paix qui fait partie de tes attributs. La République démocratique du Congo, notre pays, en a besoin d'éléments, et surtout qu'une partie de notre pays se trouve dans les affres de la guerre. Seigneur, nous t'implorons en ces moments, en te remerciant en même temps, de cette délégation qui est venue ici, la délégation de Kairos, qui est dans nos murs et qui est en train de faire ses activités de la paix. Seigneur, protège cette délégation depuis leur arrivée, pendant leur séjour et le retour, que cela soit dans tes mains. Seigneur, nous te présentons encore une fois ton serviteur, sa grandeur, ministre universel de la paix, le chef spirituel de l'église Lille Oba, qui est ici celui qui a accepté de prôner et de donner au moins l'élan de ses travaux. Seigneur, toute personne qui se trouve ici, et toute personne qui n'est pas ici, mais ses pensées avec nous, ta miséricorde soit sur lui. Sans doute, il y a ceux qui ne sont pas venus
pour des raisons que toi-même tu connais, qu'elles soient des malades, qu'elles soient des empêchements. Seigneur, ta miséricorde soit avec tout le monde. Du début, au milieu, à la fin, nous t'implorons à ce que ta paix, ta bénédiction, ta miséricorde soit avec nous. Donc ainsi, nous t'avons imploré en disant que cette assemblée soit bénie et bénéfique pour tout celui qui est venu ici et pour notre pays et le peuple congolais et le peuple africain et le peuple du monde. Ainsi, nous avons prié en disant Amen. Merci beaucoup. Thank you so Messieurs much. Les représentants de la communauté islamique au Congo et représentants du comité exécutif du CNRP-RDC pour cette prière. Sa grandeur, Dominique Kondempolo. His greatness, Kondempolo Dominique. Fondateur, chef spirituel et représentant légal de l'église Liloba. The founder and the spiritual chief of the Word of God Church. Ministre universel pour la paix. The universal minister for peace. Bishop Mike Voster, évêque méthodiste d'Afrique du Sud. Bishop Mike, Methodist priest from South Africa. Et chef de délégation. And the chief of the delegation. Monsieur le représentant légal de la communauté islamique au Congo et président du comité exécutif du CNRP-RDC. The representative of the Islamic Church. Monsieur le secrétaire général du Conseil national de religion pour la paix en RDC. De secrétaire de Mesdames et messieurs, les membres de la délégation de la République sud-africaine. Brothers and sisters from South Africa delegation, you can stand up. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos grades, titres et qualités et respectifs, mesdames et messieurs, bonjour. Hello to everyone. Je suis Monsieur Nkanza Kembisa Fiston. I am Kanza Fiston. Protocole d'État. The State Usher. Chef du bureau adjoint au bureau cérémonie officielle. And the second chief in the ceremony official. À la direction nationale du protocole d'État. For the national delegation of state. Au ministère des Affaires étrangères. For foreign minister. Le protocole d'État est honoré de vous accueillir en cet après-midi. The state usher is honored to welcome all of you here. Cet après-midi de vendredi 25 octobre 2024. It's 25 Friday 25 of October 2024. Dans ce beau cadre, la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. In this place that you can see as it's beautiful from the Minister of Foreign. Où nous allons assister dans les instants qui suivent à la remise par les autorités ici présentes des diplômes aux lauréats. As we're going to follow the way they will honor the man of God through a diploma. Le protocole d'État profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à toute la délégation étrangère. The state usher say welcome to everyone that come from foreign country. Venu de l'Afrique du Sud. Coming from South Africa. Et bon séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. And we wish you welcome here in Kinshasa, the capital city of DRC. Sa grandeur. His greatness. Mesdames et messieurs. Brothers and sisters. Le déroulé de notre programme de cette cérémonie. The way we start our ceremony. Comprend le point ci après. It's gonna go with the following lines. Premièrement, nous nous allons suivre la présentation des invités. First of all, we're going to follow the presentation of the guests. Je pense que j'avais déjà commencé à le faire. I think I've started already.
Et ensuite, nous allons passer au point D. Then we're gonna go to the second point. Qui consiste à la synthèse de la journée d'hier. That we're gonna summarize what happened yesterday. Par M. Didier et le mot du chef de la délégation avec projection. Mr. Didier will speak and the chief of delegation. Après cette étape, nous after allons passer à la projection du documentaire de sa grandeur. After that, we're gonna go to the projection of the documentary of his greatness. Au quatrième point, allocution de Monsieur le Secrétaire Général. The fourth point, the secretary will speak. Je disais, Secrétaire Général du Conseil National des Religions pour la paix, Kairos, RDC. Après, nous allons procéder à la remise officielle des diplômes aux lauréats. Then we're gonna go to proceed by giving the diploma. Qui sera suivi par le mot du Bishop Mike Worcester. Then the Bishop Mike will speak. Et enfin, and then, le mot de sa grandeur, Condempolo Dominique. His greatness, Condempolo will speak. Ensuite, Monsieur le directeur de cabinet, pour les résumés de la journée d'hier, qui vont le faire en collaboration avec Monsieur le Bishop, chef de la délégation d'Afrique du Sud. Bonjour tout le monde. Morning to everyone. Nous allons assister à présent à la à la précision de la délégation sud-africaine que nous avons reçue hier. I'm precise the delegation from South Africa that we received yesterday. Il y a ceux qui n'étaient pas avec nous hier, ils sont venus aujourd'hui. There are others that were not with us yesterday, but they came today. Et cette étape consistait simplement à connaître exactement la mission de la délégation sud-africaine. In this step, I want you to understand their mission, why they come here. Et voilà, nous ne l'avons pas traîné, nous passons directement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avons invité avec honneur Bishop Mike Worcester. The Bishop Mike Worcester, qui va nous expliquer les images et puis prendre la parole pour son mot. Also the way the speech. Bishop, you have the floor. Amen. To the Prophet Conde and your wife, I greet you and acknowledge your presence. And to Je salue et je remercie sa grandeur, the prophète Condé, et sa charmante épouse, notre maman. And also want to acknowledge the presence of the General Secretary of the Department of Foreign Affairs, Baba Wengu. Je voudrais aussi remercier le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Et avec nous, Monsieur Wabenga. I'm always happy to see you, sir. Je suis toujours très content quand je. I feel that there's a saying in English, it's a hard act to follow. Il y a un proverbe en anglais qui dit. It means it's hard to follow what his works. Hard to follow. Yeah. Ce n'est pas facile de suivre ou de faire ce que a fait. I want to start off by saying that. Je voudrais commencer par dire ceci. That I have a great love for Africa. Il y a un grand amour pour l'Afrique. I have worked in about 15 different African countries. J'ai travaillé dans 15 pays africains. With the purpose of enabling the church and religious community to work for peace. Dans l'objectif de permettre l'Église de travailler dans le domaine de la paix. Because it is my firm belief
Parce que c'est une ferme conviction que j'ai. If change is to happen, si le changement doit venir, if the kingdom of God is to happen, si le royaume de Dieu doit venir, it's got to happen through the people on the ground. Des gens qui sont sur le terrain. The church is a wonderful resource to the country. Et l'église, c'est une ressource très importante pour ça. As are all religious movements. Et comme tous les autres mouvements religieux. Like this award today. Et comme cette cérémonie aujourd'hui. It carries my name. Ça porte mon nom. But it represents the wide Christian community in South Africa. Mais ça représente une grande communauté chrétienne. So much more I can say. Il y a beaucoup de choses que je peux dire. The Interreligious Council. Et je crois que c'est cette année ou l'année passée, nous avons organisé une formation pour les leaders interreligieux. I want to end that through these years, I've learned three things about peace. Je voudrais dire que à partir de cette année, j'ai appris trois choses sur la paix. And they all work together. Et tous ces trois facteurs travaillent ensemble. Much like Prophet Kondo spoke about for us to discover. Et comme sa grandeur, prophète Kondé a parlé ce que nous avons vu dans les images. That's why peace building is the most important. C'est là où le processus de paix est important. Because people need to see the benefits of the peacemaking and the peace. Parce que les peuples doivent voir les bénéfices de ces processus de paix. And I think you understand that is the vision that we should have. Et vous comprenez que c'est la vision que nous devons avoir. Christ healed Africa for the healing of nations. Le Christ guérit l'Afrique pour guérir les nations. If Africa is healed, the world is healed. Si l'Afrique est guérie, le monde sera guéri. That's why the work of c'est pourquoi Prophet Kondé is so le important. Travail de sa grandeur, prophète Kondé. But I want to say, I believe, and that's why I feel so strongly about working with the DRC. Je crois, et c'est pour cette raison-là que mon cœur me demande de travailler avec les Congolais. Listen to this, and please take it to heart. Écoutez ceci et mettez ça dans vos cœurs. I'm going to say it twice. Je vais le dire deux fois. A Christ-healed Congo. Le Christ guérit le Congo. Will heal Africa. Pour guérir l'Afrique. A Christ-healed Congo will heal Africa. Le Christ guérit le Congo pour guérir l'Afrique. And with those words, I'm asking you to heal your country so we can be healed. Je voudrais que vous puissiez guérir votre pays et nous serons guéris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le protocole invite avec honneur. We inviting with honor. Sa grandeur. His greatness. Dominique Kondempolo. Polo Dominique. Le gars de l'église Loba, the founder and the spiritual leader, ministre universel pour la paix, avancé. First of all, thank you so much. Merci beaucoup. It is a beautiful day. God bless you, everybody. Que Dieu bénisse tout le monde. Do you remember organization? Dear representative, dear assistants, I'm grateful to God for the special opportunity I have to stand on this stage. To receive church, him who made me his servant, so that the world can fully attest of loving kindness.
I thank and congratulations the organizing staff of this memorable ceremony for their dedication to make this day exceptional. Thank to you accepting to your presence have made it very prestigious to me. I'm very touched by this recognition that we all celebrate through day. I'm sure to know that our message of being a card from everyone, and I hope that on day people any place in the world we talk about peace and speak for it. I would particularly thank the President Cyril Ramaphosa for his effort to help the country DRC in its difficult moment. I can't thank you enough. May God bless you. Dieu vous bénisse. Ensuite, sorry, I cannot speak English. No, the French. I'm going to English. Je parle français, mais parce que mon anglais, j'ai des bruits. Thank you for our brother for South Africa. I love you so much. Merci à mes frères de l'Afrique du Sud. Je vous aime beaucoup. You can be welcome. Vous êtes le bienvenu. I know this name. Long time I hear the name of Buthelezi. Ah, it is a beautiful day for to see you now. Je connais ce nom. Je suis content Bishop, de les voir. I love you so much. God bless you. Je vous aime, Bishop. Que Dieu vous bénisse. You know, I love so much the country South Africa because you have many churches there. J'aime beaucoup l'Afrique du Sud parce que nous avons beaucoup d'églises là-bas. And the month of February, we want to come there. In Au mois de février, je serai en Afrique du Sud. It's very important. Thank you very much. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi le président de la République parce qu'avec la paix que nous avons dans notre pays, surtout ici dans notre capitale, bien qu'à l'est, ça a toujours été un peu difficile. Vraiment, que Dieu bénisse. Félix Antoine, Ségédition, pour la paix que nous avons dans notre capitale, bien qu'ailleurs, ça ask God to bless our president because there are many problems that you are facing. Souhaiterais que notre Dieu nous lui donne beaucoup de force. Et beaucoup de longévité pour qu'il puisse travailler bien. May the Lord give him strength. Il essaye de changer notre pays, il essaye de supporter notre pays avec de rigueurs de preuves que nous sommes en train de connaître dans notre pays. We need God to help him. Et on souhaiterait que notre pays, Dieu puisse nous donner la paix dans le pays parce que une guerre qui a pris 30 ans d'existence n'est pas facile. Ils peuvent dire que nous sommes en difficulté dans le pays. Dans le pays, rien ne peut marcher. Rien ne peut que notre président est fort. Et il aime le pays. The president loves the country. For that, que notre Dieu le bénisse. May God bless him. Nous voici arrivés au terme de notre dîner pour la paix qui s'est étendue sur deux journées. Rendez ma joie d'avoir partagé avec vous tous ici réunis autour de différents thèmes développés par nos distingués orateurs qui ont enrichi notre foi en Jésus-Christ par une prise de conscience et notre engagement à œuvrer pour la paix dans le monde et particulièrement en RDC qui se trouve en ce moment confronté à une situation de guerre qui trouble la paix dans sa partie est. Nous témoignons notre gratitude à toute la délégation sud-africaine qui a prêché, par exemple, en effectuant un long voyage pour venir mener des actions en faveur de la paix au cours de ce dîner.
C'est avec joie et humilité que j'accepte de porter le titre honorifique et la charge qui en découle, celui d'être l'autorité morale du Conseil national de religion pour la paix, CNRP en sigle. Ainsi, pour cimenter notre bonne entente et garder de bonnes relations, je vous remets à mon nom personnel et à celui de tous les CNRP, RDC, cette œuvre d'art comme symbole cristallisant cette bonne relation. Je vous remercie. Thank you so much. I can call our brother Bishop and our brother Petalizzi and our sister, I don't know. Bishop, you can come, all of you. To take this award. The man of God is inviting you to come and take your gift. God bless you. Okay. Thank you very much. Vraiment, ce que je pourrais dire, I can say now. Je peux dire quelque chose. God bless our country, South Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. And our country, DRC. Et le Congo aussi. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo soit bénie. Que our demand, our God bless our two presidents. They are very, very kind people. De bénir a very, very kind president. Nous avons un président gentil. I'm very happy for that. Je suis for today, he's beautiful. Et I'm very, very happy. God bless you, everybody. Que Dieu bénisse mon discours. Je ne savais pas qu'il y a nos confrères de plateforme et confession religieuse. Je suis étonné. Vous m'avez dit pourquoi aujourd'hui. Je ne savais pas. Bon, there were my brothers here. C'est parce que c'est pour ça que je suis venu trouver nos confrères de confession religieuse. I'm just surprised to meet the leader of confession religious. I'm very happy. Je suis tellement heureux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Sa grandeur. Thank you so much, His greatness. Dominique Ampolo, chef spirituel, représentant légal de l'église du Loba. Merci beaucoup. À présent, mesdames et messieurs, permettez-moi d'inviter Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Secrétaire Général aux Affaires étrangères. We are going to invite the General Secretary of Minister. À bien vouloir prendre la parole pour son mot de circonstance. Bonsoir à tous. Je n'ai pas prévu des discours, mais je profite de ces moments pour remercier les hommes de Dieu
pour cette initiative de la paix, cette diplomatie de la paix. Et je sais que les églises sont capables de militer pour la paix. C'est le moment de les encourager et d'accompagner cette initiative grandiose. Je profite aussi de ce moment pour remercier le bishop Vosta qui a à sa charge plus de 600 familles congolaises en Afrique du Sud, à Durban. J'ai été personnellement sur place. J'ai vu dans quelles conditions ils sont. Et nous, ici, aux Affaires étrangères, à travers la direction de Congolais à l'étranger, nous avons un programme qui consiste à organiser les retours volontaires au pays. Ces programmes consistent, avec l'aide de l'Église méthodiste de l'Afrique du Sud, à trouver des investisseurs d'abord qui viendront s'implanter ici au pays, et à travers ce programme d'implantation des investisseurs au pays, nos compatriotes qui se trouvent là-bas, qui sont sous protection de l'Église méthodiste, parce qu'à un moment donné, ils ont été victimes de l'apartheid. Et voilà pourquoi l'Église s'était mobilisée pour les protéger. Et voilà, dans ce programme-là, nos compatriotes pourraient rentrer dans de très bonnes conditions. Ça fait partie de la paix. C'est aussi la paix parce qu'ils étaient victimes d'apartheid, mais ils ont mérité la protection de l'Église méthodiste en Afrique du Sud. Voilà pourquoi, personnellement, je suis flatté de voir que cette initiative vient de se mettre en place pour aller partout plaider pour la paix en République démocratique du Congo. Je félicite les hommes dédiés pour cette action. Encore une fois, merci. Voilà tout ce que j'avais. Je n'avais pas de discours prévu, si ce n'est que dire merci à ces hommes dédiés qui se sacrifient pour la paix. I have just stand up to say thank you to all the men of God with the idea that they have to support the peace in our country. Je m'excuse. Nous recevons le diplôme. Oui, le diplôme. Que les églises du Congo. The churches from DRC, Democratic Republic of Congo. Pour le combat que vous faites pour la paix. Because of the fighting that you are fighting because et of peace. Et maintenant, nous arrivons à une étape d'action. We reach now the step of action. Et au nom des confessions religieuses, in the name of confession religious, son éminence Mangala, I will give it to our au secrétaire chief, général, is gonna give it to the qui symbolise notre gouvernement, general secretary, who is de vous remettre ce diplôme. The government is gonna give you this diploma. Pour voir que vous avez une responsabilité, so that you can see pour le Congo you have a big et pour responsibility l'Afrique. For Congo and Congo. For Africa. Merci. Thank you. Merci. Prenez les points. I need the family pictures. If you can come this side. Yes, you can go this side. Bishop, come this side.
Don't go. Ne quittez pas. You must just stay there. Parce que vous êtes des témoins oculaires. Because you are witnesses. Hein? La cérémonie. Of this ceremony. Hein? La première cérémonie de ces gens dans ce pays. The first ceremony, the kind of ceremony in this country. This is the first one. Et les églises du Congo. The churches of Congo. Ont désigné encore. They want you. Un leader religieux passionné sur son de la paix. They need a leader that is busy worrying about peace. C'est sa grandeur. It's his greatness. Prophète Dominique Condé. Condé Polo Dominique. Fondateur de l'église. The founder of the church. Liloba et chef spirituel. Liloba Nanzambe est le spiritual leader. Il a été sélectionné. He has been selected. Parrainer autorité. To cette structure en République démocratique du Congo, in the avec tous les respects et son, sa chère épouse, nous l'invitons. We are inviting the man of God and merci beaucoup. Excellence, son éminence, His greatness. Je sais que vous ne voulez pas des tapages. I know you don't want this kind of things. Vous voulez les choses calmes. You are humbling yourself all the time, and you need calm things. Vous faites beaucoup. You are doing a lot. Mais vous ne faites pas de bruit. But you are not making noise. Mais la question de la paix. But the concerning s'il peace. S'il n'y a pas de bruit, if there's no noise, ça ne va pas bien se réaliser. It's not going to be realized. Je sais que vous avez beaucoup de diplômes. I know you have many diplomas. Il est temps que ces diplômes agissent. It's time that these diplomas act. Publiquement. Work publicly. Au service de la nation. Because of the nation. Et au niveau de notre pays. And for our country. Et au niveau de notre de l'Afrique. And for Africa also. Nous avons préparé un document. We prepare a document. En vous remettre. To give it to you. Un document spécial. It's a special différent document. Différent de tout ce que vous avez l'habitude. Different de from all you ici, have. Ici, c'est de se mettre au travail. Taken before. Now avec it's the time. Avec votre collègue que nous avons choisi. To put yourself in work with dans your le colleague. Dans le cadre de Karius, c'est-à-dire pour agir maintenant. Africa. Because of Karius, we need to act now. C'est pourquoi nous avons donné même la feuille de route des activités. That's why we give all the program of activities that you're going to make on 2025. Alors, où est le, where is the diploma? Alors, nous voulons inviter Bishop Boutelezi hein, pour lui remettre to give it to the man of God. Hein, ses diplômes. Diploma. Et à lui remettant dire quelque chose. You're gonna give him, then he will you will say something. Ça va. Maintenant, je pense que il y a d'autres documents qui vont suivre. There are other documents that will follow later. Merci beaucoup. Je pense à cette étape de remise. Thank you so much. Pour suivre le programme. Merci. Thank you. Oui, les photos de famille. The family pictures, maman. Je sais qu'aller.
Merci beaucoup. Thank you so much. Monsieur le secrétaire, pour cette modération. Thank you for so much, secretary, for this moderation. The founder and the spirit leader of the Word of God Church. Ministre universel pour la paix. The universal peace. Bishop Mike Lester. Bishop Mike. Ministre d'Afrique du Sud. The priest, Methodist priest of South Africa. Et chef de la délégation. And the leader. Dieu. Le chef de confession religieuse ici présent. The spiritual leader of different confessions religious. C'est par mot de circonstance de Monsieur l'ambassadeur secrétaire général aux affaires étrangères. It's from the word coming from the secretary general. Qui prend fin cette cérémonie. That will end this ceremony. Vouloir vous lever pour. Ladies and gentlemen, I'm asking you to stand up. Demander la technique de nous balancer l'hymne national. Et à la fin, mesdames et messieurs, un cocktail nous sera servi au hall juste au sortir de la salle. We have something to drink. You'll be served, all of you. There is a space there outside. Technique hymne national. Merci beaucoup. Restons debout pour saluer la sortie des autorités pour une prise juste devant la salle. Restons debout, mesdames et messieurs. Page 42, 44e cantique. Amen.